Bonjour à tous, je viens de rentrer de Bordeaux et j'avais envie de vous présenter un petit peu mes petits achats de la journée. Alors j'ai pas fait de grosses folies, mais j'ai quand même trouvé des petits trucs sympas dans les Jardiland. Donc j'avais envie de vous montrer ça. On m'a fait 3 Jardiland sur les 4 que compte Bordeaux. D'ailleurs si. Donc le seul que j'ai pas fait en fait c'est Villeneuve-d'Ornon, par un peu manque de temps. J'ai vu que c'était Ava Plant qui y avait été il n'y a pas longtemps et apparemment ils avaient l'air d'avoir une super sélection. Mais bon, voilà, nous on n'a pas eu le temps d'y passer. Le premier Jardiland qu'on a fait, c'est celui côté Mérignac. Mérignac, oui, c'est ça. Il était absolument magnifique. Il venait d'avoir un très bel arrivage. Moi j'avais été dans ce Jardiland-là il y a plus d'un an maintenant, j'avais été hyper déçue. Parce que les plantes n'étaient pas jolies, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là ils avaient vraiment une très belle sélection. D'ailleurs, je vous aurais mis quelques plants avant de ma balade, donc des très belles plantes. Et donc j'ai trouvé là-bas ce très joli. Donc c'est un Calathea, c'est le Network. Donc c'est une plante que j'avais eue il y a quelques années de ça, mais qui n'avait pas supporté en fait le déménagement. Voilà, je m'en étais moins occupée, je l'avais mise trop au soleil, et elle avait très très mal vécu, donc je l'ai perdue, j'ai essayé de la sauver, mais voilà, c'est une plante qui avait pris un trop gros choc, et elle n'arrivait plus du tout à reprendre le dessus. Et ces derniers temps, voilà, j'en avais revu un petit peu en jardinerie près de chez moi, mais donc à peu près de la même taille, parce que là c'est un pot de 17 cm de diamètre, donc à peu près la même taille. Mais par contre, on était sur des tarifs que je trouvais assez chers, puisqu'on était sur des plantes à peu près 35 euros. Enfin, 34,99, mais voilà, on était sur des plantes à 35 euros. Je trouvais ça assez excessif, puisque moi, dans mes souvenirs, je ne l'avais pas payé aussi cher. Et donc là, j'ai été hyper contente de la trouver au Jardiland de Mérignac pour 14,99 €. Voilà, elle fait partie d'une offre avec d'autres Calathea. Mais les autres, je les trouve un petit peu trop difficiles. Voilà, celle-là a quand même des feuilles un petit peu plus rustiques. Et j'adore le dessin des feuilles. Je vais vous faire un petit close-up d'ailleurs pour vous la montrer. Mais c'est une plante que j'affectionne beaucoup, que je trouve hyper graphique et pas si compliquée que ça. Donc moi, le pied que j'ai pris a quand même pas mal de nouvelles naissances de feuilles à la base. Donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur celui-là, parce que ça me donne toujours plus d'espoir quand je vois que les plantes sont bien en forme. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi là-bas? Oui, j'ai craqué pour cette magnifique tasse, ce magnifique mug. Alors oui, j'en ai plein, comme vous l'avez sûrement vu dans mon premier vlog. Voilà, j'ai une étagère à tasse que j'adore, que j'affectionne, et j'ai un réel amour pour les mugs, les tasses. Je suis une grande amatrice de café. Donc voilà, pour moi, c'est un véritable objet déco, et j'adore le matin prendre le temps de pouvoir choisir ma petite tasse en fonction du mood du jour. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci et je l'ai trouvée absolument magnifique. Voilà, donc celle-ci, elles étaient, parce qu'elle existe aussi en gris, en noir et en bleu, et donc il y avait les marrons. Et chacune est unique, puisqu'elles ont toutes au final une couleur un petit peu différente. Et donc je ne l'ai pas dit, mais je l'ai payé 5,90 €. Donc je trouve ça plutôt raisonnable, puisque j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Ils ont rentré une sélection de vaisselle, mais ça c'est valable pour les 3 Jardiland que j'ai fait sur 4 à Bordeaux. Je sais pas avec quelle marque c'est, mais c'est absolument magnifique, regardez-moi ça. Donc, je me suis pris ça aussi, donc je me suis pris ces 3 choses-là au Jardiland de Mérignac. Après on a fait celui de... du coup c'est du côté du Bousca. Alors là par contre ça a été la grosse déception puisque les plantes étaient en très mauvais état. Ils ont une section par contre, voilà, plantes à sauver. Donc on n'est pas resté longtemps dans ce magasin-là. Le dernier Jardiland qu'on a fait, c'était celui d'Artigues. Et pour le coup, celui-là était quand même hyper sympa aussi. Il y avait énormément de bébés plantes en très bonne santé qui venaient d'être arrosées. Donc ça donnait quand même vachement envie. Donc bien sûr, moi, par manque de place, je sélectionne vraiment les plantes que je fais rentrer dans ma collection maintenant. Mais j'ai trouvé ces deux petits... Alors il me semble que ce sont des philos. Je vous remettrai le nom, là pour le coup je m'en souviens plus. Donc j'ai pris ces deux petits pieds que je trouvais quand même en très bonne santé. Ils sont vraiment très très jolis. Donc d'ailleurs on va les rempoter parce qu'ils ont déjà bien les racines qui dépassent. Et j'ai aussi trouvé, alors ça j'ai vraiment craqué, j'ai trouvé ce tout petit vase en forme de corps de femme dans lequel j'ai l'intention de faire bouturer certaines plantes.
voilà, ou de mettre des toutes petites fleurs que je vais trouver. Donc là, vraiment, je suis vraiment hyper fière de ma trouvaille. Et pour le coup, le petit vase, je l'ai payé 7,90 € et chaque petit bébé plante, 3,95 €. Donc voilà, pour mes petits achats bordelais. Et donc maintenant, j'avais envie de rempoter ces petites plantes-là ensemble. Donc je vais vous mettre quelques petits plants, comme ça on va pouvoir voir aussi un petit peu l'état des racines. Et puis je vais leur donner une petite douche, un petit peu de prévention avant de les intégrer véritablement à la collection. Je suis contente, le système racinaire est super joli. Par contre, je pense qu'elle va avoir, elles doivent avoir soif là, les deux. Donc on va regarder ça aussi. Je pense prendre le temps de les arroser. Bon, de toute façon, chaque fois que je rempote, j'arrose, mais ah ouais. Je ne vais pas du tout lui toucher son substrat. J'ai pas du tout envie. Je vais lui mettre de la terre que je vais compacter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !